Salut tout le monde, c'est Faretch de retour au Mordor pour traquer les chefs de guerre. Alors, aujourd'hui les amis, nous n'allons pas traquer les chefs de guerre, pas tout de suite en tout cas. Aujourd'hui, nous voyagerons léger, allons chasser de l'orque. Voilà, les fans auront reconnu cette référence. Non, aujourd'hui, j'ai décidé que nous allions nous balader un peu partout dans le Mordor pour aller récupérer les Itildin, les reliques, faire éventuellement les missions de pouvoir et les quêtes annexes pour la dague, pour l'épée, pour tout ça. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire parce que j'ai envie de m'entraîner un petit peu avant d'aller m'attaquer au chef de guerre. Donc, pour commencer, nous allons nous rendre ici. Il y a une relique, une mission d'épée, une autre relique. Et je pense que c'est intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer la relique. Et déplacement rapide. Ok. Alors... voyons voir. Bah c'est qu'il y a du monde en dessous. Alors, voyons. En voilà. En voilà deux. Et merci le... beaucoup, Rodin. Le troisième, il a peur, il s'en va. Parfait. Faut agir maintenant. Oh 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 oh. Ah ah. Voilà. Merci. Bon. Allez-vous-en. Je te suis redou. Non. Ah, un canardier, attendez. C'est un capitaine lui, non? Ouais, un capitaine. Alors à l'attaque. Qui es-tu toi? Snagog, le tueur de parents. Répugnant. Ah oui. Je t'ai sous-estimé cette fois. Non, tu ne t'échapperas pas. Ah, et voilà, un de moins. Et de deux. Et toi, viens ici. Ton âme est à moi. Alors, voyons. Mais c'est qu'il y a du monde ici. Bah tiens, on va. Donne-moi des informations sur ce chef de guerre. Non, tu connais pas. Lui, tu connais pas, lui non plus. Bon, alors dans ce cas, donne-moi des informations sur lui. Bubol le sinistre. Oh, classe. Dégoûté par l'écœurante faiblesse de ses couards d'humains. Ah ouais? Eh ben, viens, tu tombes bien, toi, je vais te marquer. Car je me dirige justement vers la forteresse où tu es. Et voilà. Alors, une petite rune. Une animation effective restitue 14% de santé. Très bien. Très bien. Ah, un cadavre. Bon, attendez. Il y a une petite plante là. Je vais ramasser. Hop. Voilà, ça me donne toujours ça d'XP. Alors, des informations, voyons. Des informations. Est-ce que je peux du coup avoir des informations sur les... Voilà. Zog, le maître des épées. Oh, classe, lui il est classe. Mécontent que les autres Uruks soient aussi faibles et pitoyables. C'est marrant parce qu'ils sont tous dans la même zone apparemment. Mais bon, il faut d'abord tuer les capitaines qui les protègent avant de faire autre chose. Alors... et voilà. Là, il y a une relique. Avance. Ah, une araignée. Voilà, il faut que je tue trois araignées. Alors, une gole, tiens donc. Une gole. Ces araignées géantes sont la progéniture aussi maléfique qu'intelligente de la reine Arachnée.
Elles vivent principalement dans la vallée de Nan-Engol, mais vallée des araignées, mais ont également élu au domicile à travers le Mordor, s'installant dans les cavernes et autres lieux sombres, sans toutefois s'isoler de leur reine. Leurs nids et tanières sont jonchés d'ossements broyés de leurs proies. Elles n'ont peur que de s'en reprendre. Elles n'ont pas peur de s'en prendre aux Uruks qui empiètent sur leur territoire. Les récents événements au Mordor ont enhardi les Ungols et piqué la curiosité de la reine, bien que leur motivation demeure un mystère. Ouais, bah. En attendant, moi, je prends ça. Livre d'apprentissage pour rôdeurs. Les rôdeurs du Gondor ne sont pas seulement de puissants guerriers, mais ont de nombreuses autres responsabilités à travers le royaume. Selon les circonstances, un rôdeur peut être appelé à servir de médiateur, de juge, de médecin et parfois d'enseignant. Les rôdeurs transportaient des livres d'apprentissage basiques, et lors de leur séjour dans les villes et dans les villages où les occasions de s'instruire étaient rares, ils sélectionnaient quelques élèves privilégiés à qui ils apprenaient à lire et à écrire. Aha ! Prononce-le. Ah, Fëanor. Fëanor. Pourquoi m'imposes-tu tout ça, Irgon ? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu m'as supplié de t'apprendre les mots dans mes livres. Je le regrette maintenant. À quoi peut servir de lire ici au Mordor ? Tiens, regarde ça. Une note pour toi. Ma chérie. Sois... C'est presque ça. Ma flamme ? Ou... ma femme. Ta femme ? Ah oui, Irgon. Je le veux. Oh, c'est mignon. Alors, Fëanor, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'un des plus grands elfes de toute l'histoire de... pas de la Terre du Milieu, mais de la planète. Mais il a donné une chance aux exilés de fuir le Mordor. Il a été plus ou moins trahi par Morgoth, qui est enfin par Melchior, qui plus communément connu sous le nom de Morgoth, et il est à l'origine en fait du. Silence. Il est à l'origine de l'exil des Eldar vers la Terre du Milieu. Notamment, donc, dont l'une des représentantes des dernières vraiment du premier âge, c'est Dame Galadriel. Et pour ceux qui souhaiteraient plus d'informations sur Fëanor, je vais pas vous faire un cours dessus, je pourrais vous donner pas mal d'infos. Mais je vous invite à lire le Silmarillion, qui est un très 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 beau livre. Allez toi, viens ici. Qu'est-ce que c'était ? Tu es mort ! Ha ! Voilà. Donc, les missions d'épée. Mission d'épée juste là. Allons-y. Dans la fosse. Piégé et jeté dans la fosse par le Seigneur des Ténèbres, il devait être découpé pour prouver qu'il n'était pas immortel. Il tua tous ses ennemis, tous les ennemis qui lui furent envoyés, y compris ses ravisseurs. Oula, ça avait l'air d'être un gros combat ça. Oula, très bien. Venez à bout de 50 adversaires. Obligé venu, le compteur monte à 100. Bon, mais on va essayer. Hu, parade. Parade. Ah, parade, c'est bon. Allez. Non. Laissez-moi! Allez, on y est presque! Fou! Ah! Esquive! Ah ah! Fou! Allez, on y est presque! Non! Allez! Non! Oui, allez, non. Sans, oui. Ah, maintenant, c'est bon, je me suis pris le coup à la fin, mais maintenant, on va pouvoir se battre. Ah oui, je suis mort, c'est toi qui es mort, mais tu ne le sais pas encore. Faudra que je mette une musique de combat épique là. Fou, ha ha.
Ha! Ah! Tu es mort! Allez, attaque! Ha! Allez, allez! Bon, je suis désolé, je sais que c'est un peu répétitif, mais aujourd'hui, ça va être l'épisode de la baston, l'épisode du massacrage d'orques! Ha! Pad! Et exécution! Ah, bien joué! Ah, deux fois, non. Et ça suffit là. À l'attaque. Tu es mort. Alors, c'est tout ce que vous valez, les orques? Aïe! Bien joué, bien joué. Ah, bien joué! Parade! Non! Allez, mourez! Non! Putain, j'ai appuyé pourtant là. Ah! Non! Ah, il m'a eu, bien joué. Vite! Ressaisis-toi! Ah bah je me suis ressaisi, bon bah d'accord. Non! Exécution! Oh, ah, ah, bien joué! Et voilà! Allez, on y est presque! Non! Mais non, j'ai appuyé sur Y! Ah, va falloir faire attention là! Ah oui, je suis mort! Ah oui, hein! Toi, tu es mort! Haha, esquive! Allez! Allez! Non! Ah non, 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 non! Non, je me suis trompé! Ah non! Bientôt on m'appellera capitaine. Merci pour ça. Ah! Bien joué, bien joué. Il a été promu capitaine du coup. Bien, d'accord. C'est classe, c'est classe. D'accord, ok. Ok. Putain, il a encore ses pouvoirs qui sont accrus, lui, c'est pas possible. Ah, j'aurais pas misé sur lui pour le coup. Bon, c'est fini les promotions là ? Non mais oh !
C'est bon, là Sauron, il m'a dit, il y en a un qui m'a tué une fois, il a refait toute son armée, Sauron. Alors tout le monde, donc comme vous le voyez, on est presque à la fin. Allez, allez. On tient bon. Et toi, tu meurs. Allez, allez, plus que 7. Allez, 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 allez. Couché. J'ai dit à terre. Oh, décapitation. Ah, deux fois le compteur à 100. Ah ah! Mouais! 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 Saloperie d'orc! Et le dernier! Ah, bien joué! Et voilà, ça c'est fait. Dans la fosse, victoire terminée. Fuyez, fuyez. Et au niveau des améliorations, donc un point de compétence, lancer des dagues. Je vais peut-être prendre ça, immobilisation, ça peut être intéressant. Et au niveau des compétences, des runes. Oui, on va prendre des runes pour l'épée. Parfait. D'ailleurs, est-ce que j'ai de quoi poser une autre rune sur l'épée? Je ne suis pas sûr. Oui, parfait. Les meurtres par rafale restituent 4% de santé. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Pourquoi il me dit... Ah, peut-être parce que... J'ai des nouvelles runes pour les dagues et pour les trucs. Bon, c'est pas très important pour l'instant. Bien, très bien. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Viens ici. Ton âme est à moi. Alors, il y a quelques nouveaux là, voyons, donne-moi des informations. Takra, les pieds rapides, terrifiés par le grand œil, toujours ouvert, toujours actif. Merci. Allez, quittons cette fosse. Voilà, donc là, il me reste un truc à faire. J'ai un capitaine et de l'Itildine, il me semble. Coucou. Il est con ou quoi? Je crois qu'il est con. Dans ce cas... Drainage furtif! Ton âme est à moi! Voilà. Alors, voyons, qu'avons-nous ici? Oh, attendez. Et voilà. Ah ah ah, toi tu m'as vu? Tu crois m'avoir vu? Mais non, tu ne m'as pas vu. Moi en revanche, je t'ai vu! Ah ah! Et voilà. Donc, ici, il me reste la relique et accessoirement le capitaine également. Le capitaine, où est-ce qu'il est le capitaine? Ah bah il est là! Boubon. Il est là! Bien, très bien. Alors. On va d'abord faire le ménage. Voilà. Il en reste un qui s'enfuit. Et toi, est-ce que j'ai des informations sur lui? Non, j'ai pas d'informations sur lui apparemment. Bon, on va essayer de faire une attaque furtive en passant par les cordes qui sont là. Alors... Ah, je peux pas faire une attaque furtive? Sérieux? Pourquoi? Bah... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je peux pas faire d'attaque furtive?
Ah, peut-être... Ah, voilà. Houh. Ah ouais, j'aimerais bien voir ça. Ha ha! Trop lent, tu es trop lent. Allez, viens là. Ton âme est à moi. Pitoyable. Ah, et en plus... Ah non, c'est lui qui est le garde du corps. Et lui, il a été promu récemment, il était déjà un garde du corps. Bon, donne-moi des informations... Allez, sur lui, le broyeur de corps. Merci. J'ai beaucoup de runes pour les dagues, hein, mine de rien. Une élimination physique restitue 18% de santé. Bien, alors, il faut que j'aille récupérer la relique maintenant. Ah, ça c'est du travail bien fait. Eh ben aujourd'hui on pourra dire qu'on en aura tué des orques. Alors. Hop là, par là. Voilà. Voilà. Alors, juste en dessous. Parfait. La relique doit être ici. Nickel. Mot abîmé. Cette lettre en parchemin a été envoyée par Erin, une exilée. Elle y fait éclat de sa capture imminente par les Uruks et s'adresse de toute évidence à Irgon, son époux et chef des exilés. Savoir si ce message est jamais parvenu à son destinataire est une toute autre histoire. Mon cher Irgon, je me cache hors du camp en priant pour ne pas être découverte. Ils réduisent en esclavage ce qu'ils trouvent. J'aimerais que tu sois là. Mais je sais que tu dois combattre les Uruks. Autrement, aucun de nous ne pourra jamais être libre. J'ai tellement peur de ne jamais te revoir. Si jamais ils me trouvent. Je ne sais pas combien de temps je survivrai. Ta tendre épouse, Erin. Bien. Bien, 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 bien. Alors, là, c'est fait, voyons. Il y a une épreuve pour la dague juste là. Deux nouveaux duels ici qui se sont déclarés. Il va falloir que je descende ici parce qu'il y a pas mal de choses ici que j'ai pas récupéré. Donc là j'ai une relique de Zitildin, hein, pas mal de missions de ce côté là. Alors ce que je vais faire, c'est les missions d'esclaves, on verra pour les faire plus tard. Attendez, là il y a un truc. Venger la mort de en tuant Koguk le messager. Bon, ça je verrai plus tard. Je vais faire la démonstration de pouvoir pour les dagues. Vu que je suis à côté, autant en profiter. Alors... Karak Angren, les mâchoires de fer, n'a pas été tendre avec les gens emprisonnés ici. Le Seigneur des Ténèbres sous toutes ses formes ne désire que la domination absolue. Ça, c'est sûr. On les démolira tous et on obligera les humains à construire un monument géant en l'honneur du Seigneur des Ténèbres. Je demande à voir. Aha! Dakra. Tu es là. Bah attendez. Si tu es tout seul. Ah non, il est là-bas. Ce n'est pas toi. Qui m'a vu? Toi. Voilà. Non, ce n'est pas prudent de l'éliminer. On va passer par là. Le quartier maître n'aime pas attendre après les provisions. Sa meule a pris la poussière la moitié de la journée. Alors, la mission est là-bas. Ah bah oui, c'était pas la mission, il fallait brutaliser le... Les exercices avec les il fallait brutaliser le garde, non?
Il me semble, c'est une mission que j'avais essayé, que j'avais échoué. Bon, on va réessayer, c'est pas grave. Non, qu'est-ce que tu fais? Ah! Ça va pas te sauter au milieu, toi? Voilà. Parle-nous encore une fois de ces bruits que t'as entendus. Allez! Brutaliser le garde, sans déclencher l'alerte. J'ai bien entendu quelque chose. Pas du tout, tu es arrivé. Minable. En voilà. Là. Il y en a par là. Un Grog s'est échappé. Quelqu'un doit aller le chercher. Eh ben, pas moi. Toi, tu meurs. Et de deux. Et de trois. Toi, retourne à la poussière. Et de 4. Il doit en avoir un cinquième juste au-dessus. Nickel. Coucou. Et de 5. Voilà. Et le dernier, le capitaine, il faut le brutaliser. Brutalisation! Hou! Ha! Ha! Hou! 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 Et voilà! Nickel! Fuyez! Alors. Voilà une bonne chose de faite. Qu'est-ce que je peux faire maintenant dans la foulée? J'ai bien envie d'aller essayer de récupérer cet artefact là qui est juste là. On va y aller à pied carrément. Voilà, il est par là-bas. Ce sera plus sympathique. C'est parti. Tac 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 tac. Oh là. Alors la relique. Laisse-moi abréger tes souffrances. La relique est juste au-dessus. Elle est juste là. Voilà. Il est mort. Vous avez eh oui. Boucle de manteau de rôdeur. Ces cercles de métal décoratif étaient utilisés par les rôdeurs pour fermer leur manteau. Leur maître attendait d'eux, en tant que garde du Gondor, qu'ils respectent une certaine uniformité et leur fermoire devait toujours être soigneusement poli. Les rôdeurs utilisaient ces boucles comme outil de signalement improvisé en reflétant la lumière du soleil, car elle leur permettait de communiquer avec leurs camarades sur de longues distances. Les tours seront bientôt érigées. Je ne sais pas pourquoi on les appelle les dents. Ça ressemble plutôt à une mâchoire. Est-ce que c'est là qu'ils vont nous frapper? Sans doute. Dans la mâchoire et autant qu'ils le pourront. C'est une perspective bien triste, mon frère. Pour avoir jusqu'au Mordor d'ici. Et mordre s'il le faut. Intéressant. Parfait. Et là, il y a une mission d'épée apparemment que je n'ai pas faite mais qui n'est pas débloquée. Peut-être ici. Débrouiller la compétence drainage de combat pour accéder à la mission l'épée de légende. Ouais, c'est ça. D'accord. Voyons. C'est quoi cet endroit-là? C'est la porte noire ou quoi? Je ne sais pas. Bon, je vais me rendre du coup ici. On va faire un peu quelques missions encore. Allez, une ou deux missions et puis ensuite, on arrêtera là, les amis. Il allait bientôt prêter serment et devenir un rôdeur. Il ne méritait pas une fin aussi atroce. Non, je pense que personne ne mérite ça. Alors, on va faire... on va faire les deux. Ce que je vais faire, je vais aller récupérer. On va se balader, on va récupérer un peu d'Ithildine et tout ça. Et ensuite, ce sera bon. Alors, l'Ithildine est là-bas. C'est parti!
C'était un épisode un peu plus bourrin que d'habitude aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais bon, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça ne fait pas de mal. Alors... Par quoi il s'est fait tuer ? C'est rien, je ne fais que passer aujourd'hui. Voilà, par là-bas. Parfait. On ramasse la petite plante. Ah bah attendez, tant qu'on y est. Voilà. Je vais aller récupérer la relique qui est là. Qu'elle est devant moi. Elle est là en bas. Très bien. Alors allons voir. Jamais je partirai au combat sans mon arbalète. Je préfère être juste à côté. Bon, et après tout, c'est pas bien grave. Moi, je suis juste là pour la relique. Alors... Oui, c'est... Mais attendez, on n'a pas vu la relique, c'était quoi ? Des fantômes dans le marais des morts, peut-être. Voyons voir. Est-il dit artefact. Artefact. Mortier pilon, on l'a déjà vu. Chaîne de fer, on l'a vu. Pierre étrange. Oui, ça, on l'a vu. Ça aussi. Ou d'agriculteur, on l'a eu. Ah, c'est peut-être le corps. Le corps ne me dit rien. Le bol. La lame. Le morceau de panier. Le livre d'apprentissage. Le crochet. Le fer à marquer. Le mot. La boucle de manteau. Ouais, donc ça doit être le... Le corps rouillé. Ce corps annonça la grande victoire remportée par l'ultime alliance lors de la bataille de Dagorlad. À la fin du deuxième âge, il avertit du danger que représentait la bouche de Sauron. Une armée composée de plus de 300 000 orques et le Seigneur des Ténèbres lui-même, à la tête des forces alliées contre les hommes et les elfes. Ce corps sonna à la charge sur la plaine de combat et chanta les louanges des malheureux qui succombèrent ces âmes infortunées dès lors condamnées à hanter le marais des morts. Il paraît que l'ennemi est faible à gauche. Et que les nains vont attaquer par là. Ensuite, on pourra peut-être s'éloigner de ces marécages puants et rentrer. Hier, l'ennemi a tenté d'engager les négociations. On a vu les hommes de l'émissaire quitter les lieux. Un être noir terrible sur un cheval noir, escorté par deux colosses, eux aussi vêtus de noir. Ils ne pouvaient pas faire partie de notre troupe, parce qu'on les soupçonnait de vouloir espionner notre organisation pour en faire un rapport à leur maître. Place, un petit groupe d'elfes et d'hommes sont allés le rencontrer. On n'a pas entendu ce qu'ils se sont dit. Mais la paix n'arrivera pas. Les rumeurs circulent dans le camp. Il paraît que la bouche de l'émissaire a noirci et brûlé avec les mots de Sauron. Et qu'en les prononçant, l'émissaire a beaucoup souffert. Il n'a promis que l'esclavage et le labeur. Et je suis bien obligé de le croire. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on n'arrivera jamais jusqu'au Mordor. Seule la mort nous y attend. Mais non, vous avez été victorieux, voyons. Alors, Little Din. Tombe dans les marais des morts. Je croyais qu'il n'avait vu que sa propre peur. Non, c'est rien, c'est rien. Vous m'oubliez, vous. Les morts. Le Mordor les appelle tous. Va falloir apprendre à viser mieux que ça, hein. Alors, de Little Din, parfait. Tout à fait, tout à fait. Alors, je crois qu'il en reste encore un. Ah oui, il en reste plusieurs en fait. Allez, on va aller récupérer celui-là. Et en fait, non. Vous savez quoi, les amis, on va arrêter l'épisode ici. Je pense qu'on a fait pas mal de choses. Donc, dans le prochain épisode, ce que je vous propose, on termine de ramasser les Itildin qui sont là et on fait les deux missions plus la relique. Et ensuite, alors, soit on fera des quêtes de pouvoir, soit on ira directement éliminer le chef de guerre. On verra en fonction du temps qui reste. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut tout le monde !